Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter tous les cahiers que j'ai utilisés pour le cycle de maternelle. Voici donc tous les supports que j'ai utilisés. C'est assez compliqué à classer parce que finalement, ils vont avoir des centres d'intérêt qui vont complètement changer d'une année à l'autre et ils vont avoir une progression qui leur est propre. Et c'est vraiment aux parents de s'adapter et de choisir les supports en fonction de ses lacunes ou au contraire euh, des soifs de connaissances dont il a envie et euh, on a utilisé pour la petite section et la moyenne section des supports qui font tout le programme et puis pour le reste finalement je me rends compte qu'en grande section c'est vraiment un cahier par matière et selon en fait la lacune pour vraiment arriver à harmoniser ces compétences pour la fin de maternelle en tout cas pour tout ce qui est petite section, très petite section, j'ai beaucoup utilisé les cahiers qui font tout le programme avec plein d'exercices divers et variés, toujours beaucoup d'autocollants, les miens aiment énormément ça. Donc le but avec ces cahiers, c'est surtout que l'enfant apprenne à, à s'asseoir, à se poser, à écouter, à prendre le temps de réfléchir et de se concentrer. Après, euh, du moment qu'il s'est bien concentré, qu'il a bien écouté la consigne et qu'il a fait son exercice, c'est arrivé surtout avec mon petit qui finisse par vraiment tout crabouiller à la fin de l'exercice. Donc euh, au niveau souvenir, euh, ce sera pas top pour lui, mais c'est pas grave. Je me dis au moins voilà, il s'est assis, il s'est concentré. Si à la fin il a voulu faire un joli dessin euh, à sa façon, c'est pas très grave. Pour la moyenne section, vous avez dans mon autre vidéo qui concerne les cours par correspondance euh, ma petite mésaventure. J'avais pris d'autres supports complémentaires qui font tout le programme. Mais j'avais surtout énormément réutilisé du matériel euh, euh, didactique en jouant euh, énormément avec ma, ma moyenne section pour rattraper un peu tout ça et euh, lui faire reprendre le plaisir d'apprendre. Parce que les cahiers, c'est bien, mais il faut vraiment varier. Ça vient en complément d'un jeu que vous avez fait ou de quelque chose qu'ils ont vu, soit dans un reportage ou bien au musée avec vous. Pour la grande section, là, j'ai euh, réutilisé des livres que j'avais commencé à utiliser depuis la petite section. Euh, Celui-là, j'aime beaucoup la collection Larousse, mes grands cahiers Montessori de Larousse. Il euh, y a tout dedans. Pareil, je les ai énormément pris quand on partait en voyage. Parce que la tour rose, les barres numériques, quand on part pendant trois mois, c'est vachement encombrant dans l'avion ou autre. Donc, au moins là, c'est plastifié, c'est à découper. Et il euh, et y a tout dedans. Il y a vraiment tout. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Donc, quand on a une mauvaise connexion internet ou autre, le support euh, cahier suffit à lui-même. Et il m'a fait bah, les trois années. Donc, euh, comme quoi, euh, c'est chaque enfant à sa progression. Et ça va bien du début jusqu'à la fin. Pour cette année, en grande section, j'ai pris euh, les autres collections, Sciences de la vie, euh, qui est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup. Encore une fois, plein de choses à découper, des illustrations euh, simples, claires, que les enfants aiment bien, c'est coloré. Il y a tout dedans encore une fois et après c'est libre à nous d'aller chercher des compléments. Il est de 3 à 6 ans donc je pense qu'on peut le prendre pareil dès la petite section. Je regrette de ne pas l'avoir pris plus tôt. Et euh, celui-là il est dès 5 ans, le découvert des sciences. Et oui en effet c'est pas avant. Il y a des sujets qui sont pareils que le science et vie euh, mais ils sont beaucoup plus approfondis dans celui-ci. Donc, euh, soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre, parce qu'après, c'est des sujets assez redondants. La coccinelle, elle est aussi dans l'autre. Le cycle de vie de la grenouille, c'est pareil. Le corps humain, c'est pareil. C'est juste qu'il est abordé de façon beaucoup plus approfondie. Donc, après, à vous de choisir. Euh, Peut-être prendre le premier et puis euh, chercher des fiches complémentaires sur Internet. C'est pas ce qui manque. Et ensuite, histoire du monde dès 6 ans, euh, la mienne ayant 5 ans, pas tout à fait encore 5 ans et demi, euh, c'est vrai que euh, je l'ai pris un peu tôt. Euh, il, est, il est vraiment bien aussi, ça va permettre de, 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 de commencer à aborder l'histoire, mais il y a des exercices, c'est vraiment dommage qu'elle ne sache pas les faire tant qu'elle ne sait pas lire. Donc euh, après, si votre enfant sait déjà lire, c'est ça peut être justement pas mal. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'elle sache lire et puis qu'elle euh, qu réfléchisse et qu'elle découvre un petit peu pour l'histoire. Ce serait beaucoup plus, beaucoup plus intéressant pour elle de, de, le, de pouvoir faire un petit peu elle-même. Donc après, comme euh, ma fille a eu, avait eu beaucoup de problèmes avec le graphisme, voilà, j'ai commencé avec mon petit, euh, en petite section, j'ai mis le paquet, <laughs> je lui ai pris des livres de graphisme pour commencer avec la méthode Daniel Dumont cette fois-ci. Je ne vais pas du tout me baser sur euh, la méthode euh, de l'éducation nationale. Je vais vraiment faire par rapport à ce que Daniel Dumont euh, préconise de faire. Et j'ai complété pour ma fille, donc aussi en grande section euh, avec ma méthode d'écriture. Toujours pareil, la rousse. <laughs> J'aime bien, ils sont vraiment très très bien faits. Euh, il est assez pareil, il est super pour partir en voyage parce qu'il y a tout dedans. Euh, vous avez des explications qui vous sont données pour faire votre cours et vous avez des propositions de, de, de jeux, etc. Mais vous avez vraiment tout dedans. Vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit, donc il est pas mal pour euh, partir en voyage ou, ou en complément des cours scolaires. Et comme moi j'ai veux vraiment euh, approfondir le graphisme parce que je trouve que c'est important et puis euh, j'ai peur qu'elle soit vraiment en retard. J'ai pris euh, toute la collection, là c'est encore en pénurie, mais il y a trois livrets comme ceci. Et alors là, ils sont vraiment super. C'est pareil, Daniel Dumont. Euh, et vous avez. Alors là, il est un peu plus, euh, peu plus peut-être pour enseignants parce que vous n'avez pas tout dedans. Moi, les exercices, je les photocopie pour pouvoir les refaire au besoin. Et vous avez euh, à chaque exercice plusieurs, expli... plusieurs, euh, ouais, plusieurs explications et plusieurs idées de jeux complémentaires. Donc après, c'est à vous encore de passer du temps à chercher et à faire des jeux et des idées. L'exercice en lui-même ne suffira pas. Il faudra vraiment avoir une, une démarche de recherche et de jeu et de faire vraiment de construction de cours. Contrairement à l'autre cahier de, de ma méthode d'écriture qui lui est tout complet et se suffit en, en lui-même. Voilà, j'avais pris aussi euh, le, le livre pédagogique des gestes d'écriture. Je, je vous en ferai un retour. Et puis pour complémenter tout ça, une petite astuce. Euh, bon ça c'est les livres d'action euh, de les coloriages de mandala pour adultes. Mais pour enfants, c'est vraiment super parce que les traits sont super fins. Il faut être vraiment attentif et concentré, avoir un geste minutieux. Donc ça euh, oblige l'enfant à euh, chercher et à expérimenter comment tenir son crayon. On le fait aussi des fois euh, à la peinture. Donc... C'est vraiment un bon exercice et pour trois euh, francs 6 sous comme on dit. Donc n'hésitez pas à aller chercher les livres mandala. Celui-là j'avais pris action. Et puis euh, pour euh, complémenter toutes mes, tous mes cours, j'ai fait des activités art plastique et je me sers d'un vieux livre. Vous voyez, c'est toujours en franc. Euh, c'est euh, une ancienne Nounou qui me l'avait donné. Et dedans, mais il y a vraiment, vraiment plein, plein, plein d'idées. Donc c'est pas mal à l'avoir sous la main et à, dans le mois, se préparer un planning de tout ce qu'on aura besoin pour faire les activités. Comme ça, vous aurez déjà tout préparé, vous aurez déjà récupéré s'il vous faut des bouchons, des, euh, des rouleaux cartonnés, etc. Ça vous permet de faire une, une, une liste, pense bête. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous aura inspiré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez euh, utilisé. N'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. À bientôt.